Président de la République, l'excellence Jovenel Moïse, accompagné avec le ministre de l'Agriculture, M. Carmel André Béliard, participé jeudi 4 mai 2017 là, dans le Centre Rural Développement Durable Badouenna, dans la commune Gantier, à lancement officiel projet Pitimi Papé Pichon, dans le cadre projet Akosa Chiba. Chef l'État, pendant la salué support financier gouvernement canadien à projet ça, avec le travail ministère de l'Agriculture, a annoncé la continuer à courir la production Pitimi dans le pays. Production Pitimi, c'est un choix stratégique dans la politique agricole du pays. Parce qu'elle a créé un pile d'argent, la pote de l'argent dans l'économie. Longtemps, les paysans plantent des pitimi, ils ont fait 2 tonnes de pitimi dans chaque carotte qu'ils ont planté. Avec le travail, le professeur Gaël a commencé à faire. Travail, il y a des groupes privés, moi, il y a un représentant qui l'a avec planté dans le nord, par exemple. Mon carotte de pitimi commence à 4 tonnes. Ça veut dire, l'on regarde qui peut vendre un tonne de pitimi, un paysan qui a un carotte, il est bon pour vendre. Visite ça a entré dans le cadre politique agricole chef l'État pour permettre que le cultivateur rejoigne dignité dans le travail tout bon avec l'encadrement du gouvernement. Activité appuyée à producteur pitimi, entrer dans le cadre vision. Vision PAM moyen à politique agricole au gouvernement. Politique pour encadrer planter, pour faire plus de rendement et faire plus de score. Politique agricole là, à morder. Politique ça, nous mettons compte des humains, la réaliser tout le monde. Son politique qui pour faire chaque grand haïtien qui vit en province. Chaque grain haïtien qui vit en dehors, il a une dignité. Le monde a une dignité. C'est leur travail pour faire quoi? Pour mettre quoi dans le poche pour acheter son besoin. Après la cérémonie, c'est prêt à la distribution de semences pour agriculteurs Pitimio avec visite à une pompe hydraulique et un laboratoire. Dans le cadre de bouquet, le chef de l'État a tout passé dans le village Nouaille pour encourager artistes et artisans.